Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 8 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Aujourd'hui, j'ai pigé loup protecteur. Alors, la carte du loup protecteur vous invite à vous connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. Le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé. On vous invite à ressentir sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités vous accompagnera. N'hésitez pas à l'invoquer intérieurement lorsque vous ressentez le besoin d'être guidé. À ses côtés, vous pouvez partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspirez-vous de ce bel animal. Devenez un homme ou une femme loup. Cela veut dire que vous pouvez avoir des projets et commencer vos projets. Réalisez ce que vous avez dans la tête. C'est le bon moment. Petit rituel. Fermez les yeux. Faites 3 inspirations et expirations. On y va. Détendez-vous. Avant tout, détendez-vous, fermez les yeux. Vos 2 pieds sont bien ancrés sur terre. On inspire. On expire. On inspire, on expire et on vide complètement l'air de ses poumons. Une dernière fois, on inspire, et on expire. Et on vide, imaginez-vous dans une forêt. Cette forêt est apaisante. Vous entendez les oiseaux. Et vous sentez les odeurs de la nature.
une lumière blanche s'approche. C'est un magnifique loup blanc qui pose sur vous un regard rassurant. Visualisez ce magnifique loup blanc qui pose son regard rassurant sur vous. Cela signifie qu'il est prêt à vous accompagner, qu'il s'agisse d'un cheminement spirituel ou physique. Il vous protégera des dangers. Il sera votre ancrage. Et il veillera à ce que vous ne perdiez pas ce que vous allez entreprendre. On revient tout doucement. Revenez à vous tout doucement. Bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Aussi un très beau message pour ce jeudi. Je termine avec l'oracle de l'évolution. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental. Respire et crée ta réalité dès maintenant. N'oublie pas, c'est toi qui décides, personne d'autre. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle journée dans l'amour, n'est-ce pas? La bienveillance, l'altruisme, le rire, la joie. Le rire, c'est très bon pour les zygomatiques. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.